Allez, salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon consacrée toujours au Black Shark. Et puis cette fois-ci, eh bien, nous allons faire du vol qu'on peut qualifier de tactique, c'est-à-dire voler bas, vite, en dessous de la couverture radar. Et donc, eh bien, on va s'amuser à faire ça. Donc là, nous sommes à QTZ. Nous avons quitté pendant un petit moment Beslan, puisque là, à QTZ, on va donc s'entraîner à justement bien manier notre hélicoptère avec une utilisation un peu plus avancée, donc vol tactique et puis après utilisation de l'hélicoptère en voltige aérienne. Vous allez voir, c'est quelque chose de bien. Et puis eh bien par la suite, eh bien on s'occupera de tout ce qui est armement et puis après on terminera par toute la partie avionique de notre hélicoptère. Donc là par contre, je me mets tout de suite en mode plan. Voilà, je vais zoomer. Voilà, alors voilà pour savoir un peu où je vais pour revenir à la base. Donc on y va, donc on va décoller, donc on va partir sur la droite. On va pas faire un arriver sur la piste, etc. comme on fait d'habitude. On va directement décoller et puis partir. Donc pour ce genre de vol qualifié de tactique, il va falloir beaucoup de concentration parce qu'on va voler très très bas, vite, on va raser les arbres, les immeubles, bien sûr à une altitude correcte de sécurité quand même. Donc on va jouer beaucoup sur le collectif, pour pouvoir changer d'altitude rapidement, et puis sur le cyclique aussi pour pouvoir eh bien donner un petit peu de coup de pouce à notre hélico pour pouvoir monter et descendre. Donc là c'est parti, on va commencer le vol tactique, hein. Donc là vous voyez, je pousse vers l'avant le collectif pour changer d'altitude. Voilà, c'est grâce à ça que je vais modifier l'incidence des pales et puis modifier eh bien l'altitude de notre hélicoptère. Donc on va faire un cercle hein, tout autour de notre base de QTZ et puis on va faire un petit vol de très basse altitude. Voilà, donc le but c'est de raser au maximum les obstacles qui nous entoure. Alors pour donner un peu plus de vitesse, vous donnez plus de gaz avec le collectif et puis vous poussez un peu sur le cyclique. Vous voyez, comme ça, ça nous permet de gagner de la vitesse. Donc là, on voit le vent qui vient complètement sur la gauche. Là, on pousse sur le collectif pour diminuer l'altitude et aussi vite on remet légèrement du gaz. Donc il va falloir beaucoup de précision dans les gaz pour pouvoir remonter l'hélicoptère pas trop haut. Vous voyez, les... Bon, heureusement que les arbres sont transparents, sinon bah, je serais déjà dedans. Vous voyez, hein, la moindre petite erreur est fatale. Donc on va se ressaisir là, un petit peu. C'est-à-dire que je regardais pas spécialement ce qu'il y avait devant moi. J'étais occupé sur ma carte. Là voilà, on va se servir des obstacles là pour pouvoir faire du rasmot.
On essaye de faire des virages le plus près possible tout en ayant un œil sur les obstacles qui arrivent, vous voyez. En ce petit bâtiment là. Vous voyez, si on n'a pas un œil dessus, on se le prend. Et terminer notre petit tour de manège. Tout en étant très réactif pour la suite du vol. Beaucoup d'anticipation, je vous le dis clairement. Alors on essaie d'utiliser les routes. Allez, on l'a bien frôlé celui-là. Allez, c'est parti pour tout droit là. Donc là, niveau vitesse sol, on est à peu près à bon 200 km/h. On essaie toujours de trouver un endroit pour se camoufler. Allez, on va partir un petit peu sur la droite. Je suis pas du tout aidé par le vent. Donc là, entraînez-vous hein, quand même à faire ce genre de vol. Déjà, c'est très fun. Et puis, ça vous aide bien de toute façon pour voler en territoire hostile. De toujours vous entraîner à faire un vol de ce style-là, bien sûr, il va falloir bien le préparer avant. Là, c'est sans préparation. Mais avec une préparation, on peut faire vraiment quelque chose de très très bien. Regarde, on essaye de raser au maximum. Hein. Alors des fois il suffit pas de voler vite, hein, mais de bien rester au ras du sol pour être le plus furtif possible aux yeux du radar. C'est surtout ça le plus important. Allez, on va terminer là, on va se remettre sur Qtezi. On va aller sur Shuabashi, la ville qui est juste en face, pour terminer notre petit tour. Voilà, un peu de collectif. Vous voyez, comme ça, ça me permet de gagner d'altitude. Là, on retire sur le collectif, vers nous. Et on le repousse tout doucement. Pour dire perdre très vite de l'altitude. Attention câble de haute tension. Voilà. Allez, on retourne à la base. On a assez fait joujou, on a assez pris de risques comme ça, je pense, durant ce vol.
Donc la piste est là-bas, on va reprendre une altitude correcte. Voyez ce qu'on peut faire avec le Black Shark, hein, on peut vraiment vraiment s'amuser. Oula, mon trackier qui a fait n'importe quoi. Hop, voilà, je vais le couper parce que là, j'ai une fenêtre qui donne sur mon jardin, il y a du soleil et le trackier n'aime pas trop ça. Donc on y va, on retourne tranquillement sur Cutezy. Ah oui, le vent, ça... Il donne bien le vent là, franchement, si je suis limite, voilà, je joue beaucoup du palonnier pour pouvoir voler droit. Mais là, je suis totalement en crabe, donc on va sortir le train. On va se mettre tranquillement sur la piste. Donc voilà, j'espère que ce petit vol eh bien, vous a plu. Vous voyez que le vol tactique sur Black Shark est vraiment très très fun. Surtout quand vous pouvez mettre quasiment tous les détails au maximum. Alors là, pour ma part, sur la machine, parce que c'est pas, c'est un quad-core, mais d'une ancienne génération, c'est un Q8005 avec une GTX 460, pour vous donner un peu une idée. Bon, en plus il y a Fraps qui tourne, donc du coup je perds un peu en FPS. Mais une fois que Fraps est arrêté, je tourne environ 45-50 FPS avec le terrain, les textures au maximum et simplement la distance, je suis à médium. Voilà un peu pour les réglages principaux. Et du coup là, quand j'aurai ma nouvelle machine pour la fin de l'année, je vais pouvoir tout mettre en ultra sur Black Shark et puis pouvoir voler, puis même sur les autres Simu, pour que ce soit beaucoup plus appréciable et plus sympa et plus fun. Allez, on va se poser là-bas. Oula, attention au radar. J'avais pas vu celui-là. Voilà, ce que tu sais, de faire une approche non calculée, du grand n'importe quoi. Allez, on va s'arrêter là-bas en face. Le vent, c'est l'enfer. Heureusement que je suis pas avec le Way, parce que alors là... ça ferait longtemps qu'on mangerait le pissenlit. Voilà, on va se mettre devant la porte. Voilà, c'est ainsi que le vol se termine. Eh bien, je vous souhaite à tous un bon amusement. J'espère que cette vidéo eh bien, vous a permis de mieux comprendre ce que c'est qu'un vol tactique, d'en mesurer les difficultés, les dangers surtout, parce que vous avez vu, très très vite on peut se prendre un arme si on n'est pas à 200% concentré sur ce qu'on fait. Donc focalisez-vous sur ce que vous faites. Laissez de côté, pas comme j'ai fait, votre carte pour savoir un peu où vous en êtes, parce que là du coup c'est pas du tout utile. Surtout que lorsque vous aurez un plan de vol établi, eh bien, vous aurez ici le petit indicateur sur le HUD qui va vous permettre de le faire. Alors, il est où? Je cherche, voilà. Donc là, vous aurez le petit indicateur qui sera ici, qui va vous permettre eh bien, de savoir exactement où vous en êtes. Et donc, du coup, d'avoir votre esprit vraiment concentré sur votre trajectoire.
Allez, ciao à tous et à très bientôt pour une nouvelle leçon sur Black Shark, où là, cette fois-ci, on va faire de la voltige. Et j'irai plus sur Baseline parce que je vais gagner un peu plus en FPS, parce que QTZ va me faire un peu galérer avec Fraps. Allez, ciao à tous.